C'est toi, Tommy? Tom Angelo. Inspecteur Norman. Y'a que toi? Y'a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé l'affaire Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de marron? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serais pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah, dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il réplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner, pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné. Personne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe? Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Relève-toi, Polly! Il y a un taxi là! Ça va aller! Toi, démarre! Allez! Où est-ce qu'on va? On s'en fout! Roule! J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Eh, je veux pas d'emmerde, moi! C'est un peu tard pour ça. Roule! Mais comment ils ont pu savoir qu'on serait là? On s'en fout maintenant, il faut qu'on les sème! Ah! On a combien de voitures au cul? Une seule. Mais ça va pas durer. Là, t'as dépassé les bords. Accrochez-vous, je vais tenter quelque chose. C'était qui ces gars?
Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. Ta jambe, ça va aller? Ça fait un mal de chien. Quand on rentre, j'irai chercher le doc. Je sais pas, ça va peut-être s'arranger. Ouais, bah c'est lui qui nous dira. Hé, hey, je te vois en train d'écouter le taxi. T'as pas le droit d'écouter. Non, j'écoute pas, je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. Continue comme ça. Bon, on est au fleuve. Où est-ce que je vous emmène après le pont? Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. Des raccourcis, ça va les ralentir. Démerde-toi comme tu veux, mais sème-les! Non, non, pas tous. Ces types vous aiment vraiment pas beaucoup, on dirait, hein? Non, y a rien de personnel là-dedans, c'est les affaires. Ferme-la, Polly. Mieux vaut qu'il en sache pas trop s'il veut voir le jour se lever. Vous en faites pas, messieurs, j'ai rien entendu. De l'échange. 4, 5, je parie qu'il a appelé du renfort. Bah oui, j'imagine. Il nous faudra plus de bras la prochaine fois. Ils ont dû faire passer le mot. Ils sont de plus en plus nombreux. On tiendra pas longtemps hors de notre territoire. Retournons dans notre quartier. Little Italy, t'as pas fini ta course. J'ai rien vu venir. Tu crois qu'il a tout balancé? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Très bien. On approche. Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie?
Ah. Ça, c'est pour te remercier de tes services et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Mais pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé ? Ouais, pigé. À plus tard, petit. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais c'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Vous là, taxi. Oui, madame. Vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Dépêchez-vous, j'ai un rendez-vous. Alors, on va où? L'église Saint-Michaël, et vite. Et soyez prudent. Je suis toujours prudent au volant. Vous seriez bien le premier. Ce tapage, je ne m'entends plus penser. Vois-moi vite, vous allez nous tuer. Alors, vous allez à l'église? On est déjà dimanche. Regardez la route, s'il vous plaît. Arrêtez-vous là, près du parc.
Et voilà, Saint-Michel. Ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, ouais, si vous le dites. Ces Italiens, tous les mêmes. Je peux pas conduire sans la radio. Allez, là, il me faut une course. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule, je connais ça, la vitesse. Vous allez vous balader? Ça vous regarde, peut-être? Non, pas vraiment. Juste pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot, faut juste le chercher. Ouais, je vois. Vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Ouais, ouais. J'ai pigé. Garez-vous devant la galerie. Merci, l'ami. Voilà 50 cents. Allez pas tout dépenser d'un coup. Je vais essayer, ouais. Je tombe que sur des trous du cul, moi, aujourd'hui. Allez, au prochain. Oh merde, vous avez une sale gueule. Eh ben, je bosse depuis 5 heures. Et vous, c'est quoi votre excuse? Je picole. Ça m'étonne pas. Bon, on va où? Little Italy, 21ème rue. Bon, je dis pas aux flics que vous puez l'alcool. Et vous, vous leur dites pas pour les excès de vitesse? On fait comme ça? Marché conclu. Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui? Ouais, un peu. Mais on n'en a jamais assez. Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis sous et que je suis faible. Les flics voient des poivrots tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie est rongée par la corruption. C'est ça.
On y est presque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. Eh, mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord? Merci, je le ferai peut-être. Putain! Salut mon pote, tu te souviens de moi? Hein? Hein? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Maintenant, je vais devoir te dérouiller pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guiboles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Un peu ça. Ça va, petit? Dino, Lou, vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment? Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. Je te devais bien ça. Allez, bien. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui, parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt, juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo.
Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Polly, tu vois où c'est? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. S'il croit qu'il peut s'en prendre à des types honnêtes de mon quartier, il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Et Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement, d'accord? Ok. Ça y est, le boss a fini? Non, t'as pas fini de t'écraser l'arrêt. T'as trouvé quelque chose? Non. Un taxi. On lui donne un coup de main. Pigé. C'est lui qui va conduire le boss? Ouais, Pigé. Non. T'es pas prêt de perdre ton poste. J'ai horreur d'attendre. Je me fais chier comme un rat mort. Si le boss dit que t'es pas encore prêt pour relever les compteurs, c'est que t'es normal. Le chauffeur de taxi, tu te souviens? Ah, si. Si. Tu peux demander, car... Le bar est fermé pour toi. Désolé. Reviens plus tard avec Polly ou Sam. Bon, je te laisse. Faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. Il est jamais content, mais Frank et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, on va le voir quand on a besoin de... matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de pépin. Le Don apprécie de faire des affaires avec vous. Et nous, on apprécie son argent. On doit y aller. On a une longue route qui nous attend. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey. Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser deux, trois caisses. Oh. J'ai pile ce qu'il te faut. Classique, mais toujours efficace. Boum! Si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails par ici. Aïe, aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravi de te rencontrer, Tom. Dis-moi si Polly te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Alfie est au garage. Il est un peu con. Mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait, ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Hé, hey, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Polly. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu boites toujours. Ça veut dire qu'on a deux éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Polly, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, Lico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Polly. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok. On y va. Tu conduis. Et que je te reprenne plus jamais en train de rien foutre. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. Je sais pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole.
Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, c'était des whisky dans le camion tout à l'heure? Ouais. Nouveau fournisseur. Et vous trafiquez au grand jour? Normalement, non. Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule, si t'en veux une bouteille, dis-le-moi. On en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais c'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Hey, c'est leur caisse qu'on va massacrer aujourd'hui. Pas assez de poubelles. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais c'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ces whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneau. C'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées. Ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouille. T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri? C'est pas clair. Chacun prend les rues qu'il peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. Bon, on y est presque. Les gars de Morello fument et taillent le bout de gras devant. Et ils laissent leur caisse derrière. Une belle bande de feignasses. Il y a toujours un guignol qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez, par ici. Faut qu'on entre discrètement et qu'on défonce les bagnoles. Pour envoyer un message. Ouais. Attends, pourquoi tu viens ? Bah, pour voir si tu vas te faire buter. Bon, on fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire, sans bruit? Ouais, comme ça. Il utilise ses liens habituels. Ton tour viendra, t'inquiète. Si personne voit nos tronches, personne cherche à nous descendre. Cette porte et monte sur le toit. Je vais occuper ce gars pendant que tu te fous derrière et tu lui ralentis le compte. Je suis un expert en diversion. C'est ma spécialité. Même si Boss a réussi à se mettre à dos plein de types en ville, il fait gaffe. C'est temps que je touche mon fric, moi. T'en fais pas pour ça. Hé hey, qu'est-ce que tu fous là, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? C'est pourtant clair, non? Qu'est-ce que tu fous dans le coin? T'es qui, toi? Un type qui se demande quel genre de crétin t'a dit de faire le gay ici. Dino, c'est Dino qui m'a demandé. Dino? Salieri a des types à lui partout en ville qui veulent tabasser Morello, et c'est Dino qui te demande de surveiller les...
T'es qui d'abord? Tu connais Dino? Ah ouais, je le connais, Dino. Voilà, Carmine, tu l'as pas loupé. Allez, on s'occupe des voitures. Prends ta batte et prépare-toi à cogner. Ça énerve vraiment beaucoup cette caisse, hein? Bah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et merde! Hé, hey, t'approches pas de cette voiture! Maintenant, c'est merde! T'as envie de mourir? Oh, merde, ça fait mal! Allez, dépêche! Ils vont encore appliquer! Prends un cocktail Molotov, ça va chauffer! C'est bien envoyé. Sors une bouteille, allume et balance. Simple. Prends la batte et va les finir. Ouais, les gars de Morello ont entendu ça. Tout le quartier l'a entendu. Gueule qui vont tirer en voyant ça. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino? Ah, si je t'aime pas et que t'as une caisse qui en jette, crois-moi, je sais où tu la gardes. Il y a des véhicules en feu. Casse-la vite, on la récupère. C'est pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. À l'ancienne, c'est tout ce que j'aime. Fonce dans le portail! On a intérêt à foutre le camp avant que les flics se pointent! Les laissez pas se tirer! Revenez ici, bande de salopards! Dino canarde! Roule! Roule! Oh merde! C'est les flics! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah on accélère et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs. Alors essayons de pas en rajouter. C'est bon, on peut rentrer voir le patron. Je croyais que les flics avaient Salieri à la bonne. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Alors, ça t'a fait quelque chose? Tu ressens quoi? À propos de quoi? De liquider ce type? De voler la caisse de Dino? Ça t'a fait du bien? Ouais, je crois que ouais. La première fois, c'est vraiment quelque chose. Ça sera jamais aussi bien après. Alors, tu penses que c'est une vie pour toi? T'en penses quoi, toi? Oh, c'est moi qui pose des questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sortiez tous les jours défoncer les voitures sur les parkings. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse? Non. J'ai tiré à cette caisse pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour, en tôle, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et 10 ans après, je suis toujours là. Même si maintenant, je mets un costard et que Vinny est devenu un vieux salopard. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de connexion. Ton frère, ton oncle ou ton... Non, pour certains, ouais, c'est le cas. Leur cousin est affranchi, ou alors il y a Carlo, dont le père connaît le Don depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Mais il y a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Bien, je me dis, après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns. J'ai rien de mieux à faire. Évidemment que t'as rien de mieux à faire. On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vinny jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler.
Ça me plaît bien, ça. Bah ouais, mon con. Elle est où, la caisse que je vous ai donnée? On l'a larguée. Mais pourquoi? C'était un veau. Celle-là est mieux. Une meilleure voiture avec une vitre cassée? Un peu d'air frais, ça fait du bien. Il est toujours avec toi, alors? On dirait bien, ouais. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais. Ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez? C'est ça, la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman. J'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce sera un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici. Alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'un million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Deuxio, personne ne deal de cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello, si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, là... Don Salieri, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, Marrone. Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy? Allez, t'as encore du jus. Chope-le à nouveau. Le boss t'attend. Merci. Arrêtez-y. Combatterai un'altra volta.